came for a concert today. No. Welcome back to my channel. We are at Palais de Congrès now. Apparently, today is the 58th anniversary of the Chinese and Benin relationship, and you're celebrating it in a big way. Even this place is just. It's just scattered, like they're also having a concert here wherever it's coming. So there are literally a lot of people here. Anyways, I don't talk too much in this vlog, so I'm just going to take all of you along with it. Who is at my back? Who the fuck is at my back? Alright, I'm going to take you guys along with me. Let's go. Yeah, let's go. We are ready now. We just stop by to take a little bit of picture. Gracias.
Comme le dit Yamada chinois, les deux amis se rapprochent bien qu'ils soient séparés par une longue distance géographique. Le 29 décembre 1972, la République populaire de Chine, située à l'est de l'Eurasie, et la République du Dahomey, située à l'ouest de l'Afrique et devenue aujourd'hui la République du Bénin, ont rétabli leurs relations diplomatiques. Ce qui a ouvert un nouveau chapitre pour le développement commun entre les deux pays. Au cours des 5 décennies écoulées, l'amitié sino-béninoise s'est consolidée et s'est renouvelée en traversant des montagnes et des océans. Responsable marketing d'Arsonic, Lumumbi Maturin. Assistant chef projet de Paris, Charles Akon. Responsable des ressources humaines de HNRB, Kiki Job Sef Paco. Responsable de la santé et de la sécurité environnementale de HNRB, Arwandinou Possi Parfait. Monsieur l'ambassadeur Peng Yitao, où sont la locution? Thank you for speaking French. Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, représentante du ministre. Des Affaires étrangères et de l'opération. Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Monsieur le président du conseil institutionnel, mesdames, messieurs, les représentants de la ministre britannique du Bénin et des ministères différents, préfets, les maires, mesdames, messieurs, Mesdames et Messieurs, les autorités politico-administratives, en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, les membres des corps diplomatiques, représentés ce soir en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de représenter tout le personnel. La Chine a servi de trait d'union entre ces deux pays, nous rapprochant encore davantage les uns des autres. À travers diverses organisations, le don de matériel de prévention de l'épidémie par les entreprises chinoises au Bénin, ainsi qu'une campagne pour ce printemps. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, M. Thierry Jean-Marie Zinsou, et le président de l'association des entreprises chinoises, M. Thierry, sont invités à remettre un prix aux employés exceptionnels. Merci beaucoup. À présent, nous invitons M. Zinsou à prononcer son discours. Merde! Merde! Ils ont encore coupé le courant. Coupé le courant 800 fois par jour. 800 fois. Quelle condition peut avoir dans ces conditions? Dites-moi.
On dit oh mon frère, on ne peut rien. Je n'ai pas d'amener soit la maison depuis plus de 10 jours. Ici est dur. Ici est dur. Ici est difficile. La machine s'est arrêtée. Encore, suivi de délestage. Alors qu'il y a les vieux, les vieilles, les petits à la maison, tous se retrouvent. Le complet est venu au CLD, presque le matin. Et de le matin tard, les mains, les manches vides. Le journal. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai de l'an 2000. Le ministère du Commerce de la Chine et le ministère du Commerce du Bénin ont signé un protocole d'accord de coopération pour la reconstruction de l'usine CDT du Bénin. La Chine enverra des techniciens au Bénin dans les prochains jours. La Chine, le gouvernement chinois va envoyer des experts pour nous aider dans la construction d'une nouvelle usine textile. Est-ce que vous avez entendu? Ouais! Vous êtes sauvés! Frère! Nous sommes sauvés! Oui, ça me fait l'idée. Wow.
Bonjour.